Après-midi, tranquille, en mode photo. Première cover, Nas. Superposition. C'est vraiment le lieu de la blague. Selon moi, c'est un esprit vraiment universitaire. Bon, arrête avec ta caméra. Arrête, là, on l'a peut-être fait trop à la rage. Peut-être qu'on n'a pas encore assez de compétences, donc on va rebosser sur ça. Ça reste dans un coin de notre tête. Ça filme mon ref. Y'a pas une histoire d'ISO à checker, genre? Ouais, les refs. Ouais, les refs. Pardon. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode des covers avec des résultats très approximatifs? Bah là, on est en route pour se venger. On va dans une petite bourgade à proximité d'Angers. On va rejoindre Attract. Peux-tu présenter Attract Visuel? Je peux le présenter, mais je pense qu'il se présentera mieux. Et donc voilà, hein, l'objectif, c'est qu'il nous amène dans un petit spot de chez lui qu'il connaît très bien. On va shooter ça, je sais pas, on va voir, hein, comme d'hab. Juste que je pense que ça peut pas être pire que le premier épisode. C'est vraiment la post-prod du premier épisode, c'est quelque chose. Mais moi je dis, on est même pas obligé de partir sur un non, mec découvert. Ouais, hein. Je pense qu'on va. On se laisse. On appelle ça l'épisode découvert parce que vous savez à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça veut dire le concept derrière. En vrai, on va juste shooter. En plus, il charbonne bien parce que vu qu'on avait fait la cover avec Eddie la dernière fois, ouais. Là, ça tue. J'aime bien comment il travaille. Ouais, je suis dans un bail. Business rentable, fort business rentable. Ouais, je suis dans un bail. Business rentable. Rien à envier au château d'Angers. Oh, il y a à bouffer. Oh, non, ça arrête. Ah ouais. Tu veux? Oh, vous êtes des bons, messieurs, dames. C'est... Normalement, il va faire les événements pour un oui. Et pour un non? Et pour un non, c'est un verre. Wesh, vas-y, pose la question. Est-ce qu'il va y avoir 10K avant décembre? Et... Bah, y a oui, la chaîne de Valentin va avoir 10 000 abonnés avant décembre. Oui, c'est clairement oui là. Bah oui, c'est oui là. 100 000. 100 000, il dit non, bâtard. Ouais, 100 000. Ouais, bah, c'est en clairement même temps, non, là. Est-ce qu'Eliott a 55 ans? Mais là, là. C'est clairement non. Mais non. Mais wesh, c'est fascinant. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que tu vas accepter de donner le premier que j'ai créé chez vous? Attends, il se stabilise un peu. Ah. Je sais pas encore. Ah, oh. Oh. C'est oui ça. Oh. On marche vers un lieu abandonné, c'est une usine désaffectée. Et à ce qu'il faut rentrer dans des grillages, faut traverser des ponts. J'ai un pull blanc, donc c'est carré. Dans l'usine, potentiellement, il y a des pics, des conneries comme ça. Quand tu plantes les pieds avec un coup, il faut faire attention quand même. En fait, si vous avez entendu, je suis assuré par Louva. Ouais les refs, on est arrivé dans un bête de lieu, regarde, c'est fou. Et aujourd'hui on est avec mon gars Attract. Ouais. Et du coup ouais, c'est une petite collab là sur l'épisode, on va voir ce que ça donne. Attract est un artisan visuel et sonore. La connexion s'est faite simplement, naturellement. Une rencontre pour échanger sur les visions et les univers. Mais si face à vous il se présente masqué, c'est parce qu'il a pour conviction que ce soit ses créations qui le définissent et non son image en tant que personne. Une réflexion très mature. L'œuvre et non l'artiste. Nous, on va prendre le lieu là, on va commencer à shooter, on va vous filmer tout ça. Vous connaissez de toute façon la recette. Je regarde le monde à travers la window. Quelques saveurs de White Widow. J'ai l'impression d'être à Rio. Ouais, les refs, là, on vient de faire des petits shoots en danse. Là, c'était comme ça, ça bougeait son corps, c'était lourd. Là, on fait une petite pause et après, on passe au shooting photo et on sort les lumières. Mais en vrai, t'es mal à vue. Comment c'est agréable. Voilà où on est en train de bosser, quoi. Béni, un commentaire. C'est vraiment un bureau de travail très agréable. Non, c'est plutôt bien. Les idées fusent. La créativité est au rendez-vous. L'inspiration est là. L'inspiration germe comme une plante, finalement. Donc voilà, c'est ça pour dire que du lourd va être fait. L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper. En fait, les hommes tiennent tout le monde et dans leur immense majorité, ils ne désirent pas le quitter. Loin de vouloir toujours l'oublier, ils souffrent au contraire de ne point le posséder assez. Étranges citoyens du monde exilés dans leur propre patrie. Sauf aux instants fulgurants de la plénitude, toute réalité est pour eux inachevée. Leurs actes leur échappent dans d'autres actes, reviennent les juger sous des visages inattendus.
là du coup on a fait danse, on a fait des shoots photos. Là on fait quoi? On attend que la nuit elle tombe vraiment et on bosse avec les lights. Mais là c'est stylé mec. Ça veut dire qu'on s'arrête là. Stylé et en vrai c'est ça a de la gueule tellement ça touche les cheveux en même temps. En contenu on s'arrête là parce que l'idée du coup c'est de bien se focus sur la post prod et de bosser ça sur la photo, sur les idées, sur ce qu'on peut faire. Mais tu veux pas faire le truc des poses longues? Si on va faire. Ah t'as dit c'était fini. Ouais mais alors qu'est-ce qu'ils vont vérifier l'heure du rush? Ils te mentent. Ils vous mentent. C'est bon. C'est vraiment drôle hein. Je peux me rajouter à la fête? C'est fini? Bah je peux ouais. Du coup là on a fini de shooter, on s'est retrouvé avec les gars pour la post-prod. Let's go. Donc là le programme c'est quoi? Je pense qu'on va check les photos et on voit ce qui se passe tranquillement, on vous pose là. De toute façon vous connaissez la musique hein. Ouais mets là de côté ça non en vrai. C'est MC. Tu me fais des plans de découpe là, tu me fais pas des plans de coupe là. Benny. Mais laisse-toi faire mon ref. Laisse-toi. Enfin non, fais rien. Vraiment un discours de photographe véreux, tu sais. Vous voyez pas parce que l'écran il est un peu loin, mais Elliot, il va s'occuper de mettre la première photo maintenant. Let's go. Ensuite, Elliot, il va mettre la deuxième photo maintenant. On part sur la troisième photo. On en a 45. Let's go. Let's go Elliot, est-ce que t'es chaud? Les refs là on est en train de booster et franchement c'est chaud, il y a plein de trucs qui sortent. Alors faut savoir, il n'y a pas énormément de temps en fait. Chaque créa, entre guillemets mini créa, on met une 15 minutes, 20 minutes, ouais. On passe ouais, dessus. C'est l'idée de sortir, c'est l'idée de sortir la première idée qui sort de nos têtes et de l'appliquer. Ouais c'est ça en fait, on laisse parler parce qu'il passe à l'instant précis plutôt que sortir un banger. Comme nous là le but c'est de faire une porte ouverte sur tout ça pour vous, ben on va pas à chaque fois aller à fond dans le processus. On va dire qu'on l'effleure, mais bien. Tu vois, on fait le truc bien parce qu'on est aussi avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui est compétent. Et ça faut le souligner, tu vois. Sinon, on l'aurait fait nous-mêmes, on se serait vite perdu. Ah bah, de toute façon, vous l'avez vu sur le premier épisode, on s'est vite perdu. Ouais. Vous êtes en train de rigoler d'un moment où vous êtes planté. Un peu comme si vous aviez honte. Mais en vrai, heureusement. Heureusement que vous êtes planté. Vous avez pu identifier des problèmes, un manque de connaissances ou de techniques, peu importe. Il faut savoir s'enlever la pression du résultat pour voyager pendant la création elle-même. Et c'est là que quelque chose de particulier peut se dégager. Alors oui, rigolez des échecs, mais n'en ayez pas honte. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure en regardant les photos. Au final, une photo, c'est sur le papier assez fade parce que ça dit pas grand-chose, mais quand tu les regardes toutes, celles qui sortent du lot, c'est vrai qu'elles parlent de ouf. Et des fois, c'est pas les plus nettes, c'est pas les plus belles, c'est celles qui sont floues, un peu bizarres, il y a du mouvement. C'est ceux qui transmettent de l'émotion. Ouais. Non, puis c'est bien de... Il a voulu trouver un truc à dire. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est bien des fois d'arriver dans un domaine et de rien connaître. Parce que du coup t'as pas de barrière de genre je sais pas. Ça se fait pas comme ça. Voilà, ça c'est souvent le truc du gars qui est dans le domaine. Ouais ça se fait pas tu vois. C'est pas utiliser le ciel, c'est une excuse. Ou tuto direct. Voilà. Mec, je suis désolé ici, on a tous appris par nous-mêmes des choses et bah, c'est une excuse. Moi le concept du problème, je veux faire une cover, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin de Photoshop, j'ai pas Photoshop, comment je trouve Photoshop? Tu vas sur internet, comment avoir Photoshop? Mais oui. Tu sais pas ouvrir un fichier, comment ouvrir un fichier? Tu sais pas comment changer le flou de ton arrière-plan, comment changer le flou de mon arrière-plan? Trouve un problème, résous-le, avance. Voilà. Les Wu, vous avez vu le principal. Là, on va continuer de bosser ça de notre côté. Je vous laisse avec le rendu final. Ou alors, peut-être, vous l'avez déjà vu. Peu importe, dans tous les cas, prenez soin de vous. Prenez soin de votre créativité. Vous remercie. Vous connaissez désormais le concept de créateur. Libre à vous de prendre part à cette aventure ou non.